Bonjour YouTube, nouvel épisode. Voilà, comme ça je démarre, je peux avoir le chat de Resident Evil 7. C'est pas la musique de Resident Evil 7. Oui, mon café. Hein. On a vaincu Marguerite, très sexy. Une femme de goût, une femme sympathique, adorable, très belle, pleine de charme. Il nous a pas du tout mis dans le mal, mais on va assumer notre connerie et voir comment on peut s'en sortir pour la suite du jeu après avoir merdé autant ce boss fight. Putain, qu'est-ce que j'aime ce thème. Ouais, la PS4 Pro Last of Us 2, vite fait, hein. Ça ressemble à une PS4 Pro normale, sauf qu'il y a des incrustations. Sur le dessus, t'as marqué Last of Us 2 au-dessus du lecteur de CD, je crois. Donc bon, je pense que je vais opter pour la PS5 quand j'aurai les sous, lol. Parmi les fonctions que tu as aussi, le cannibalisme. Quoi? De quoi tu parles? Rassure-vous. Ah ouais. En ligne de Grand Theft Auto, non plus de s'entretuer, mais de se les uns les autres. What? Putain, mais alors moi en plus ça fait tellement longtemps que j'ai plus suivi les updates de GTA. Même pas quand ils spammaient là avec le. Je crois que c'était GTA Vegas ou je sais pas quoi, une extension. On peut lire une cassette ici, mais j'ai pas de cassette. Ah peut-être que c'est pour. Je peux rejouer mes vieilles cassettes. Je sais pas. Je sais rien. En tout cas. Ouais, j'aime pas trop GTA, donc je m'en fous, perso. Donc c'est un peu chelou, hein, comme délire. Ouais, on a décidé qu'on y allait comme ça. Mais on allait où déjà? La vieille maison. Le trou, il était où? Ouais, les balles, ça craint un peu. Hein. Je vais repasser sur le lance-flamme. La maison Osef. Je suis pas sûr. Là, pourquoi je n'y joue pas. La banalisation de ces crimes est effarante. La prostitution, je parlerai pas de crime. À partir du moment où c'est consenti. Hein, parce que le trafic, il fait tellement chaud ici, bordel. Trafic, bien sûr, sexuel et. Est une réalité, malheureusement. Après, pour le reste, ouais, ça craint un peu, ouais. Après que tu vois ce genre de scène dans des œuvres qui dépeignent, voilà, un univers sombre et dégueulasse pour dénoncer ce genre d'acte, ok? Et que tu puisses le faire en ligne pour t'amuser, ouais, je sais pas, c'est bizarre. Très bizarre. Du coup, c'est là qu'il faut que j'aille? Je sais plus, attends. La lanterne, elle me sert. Là j'avais ouvert. Ah la lanterne, il faut que je la. Alors attends, voilà. Là il y avait ça. Eve, arrête de faire chier. Hein. Depuis quand il y a un piano ici? Ok, donc la porte est déverrouillée, il y a juste un truc que je veux vérifier. Non mais le non-consentement, je sais pas, c'est un bail un peu bizarre quoi. Non mais ça m'inquiète hein. Votre poupée elle m'inquiète là. Ça on l'avait lu. Qui joue du piano? Eve! Arrête tes conneries. Là on avait fouillé cette pièce. Il nous manquait rien. Cramer la gueule. Oh non 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 non. J'entends un insecte ou c'est ceux qui tournent autour de. Et puis, est-ce que ma lampe a foiré ou c'était à cause de. Ok, commence pas à flipper, c'est pas grave. C'est la chambre d'Ève ou pas? Peut-être de Zoé quand t'as été petite.
Monsieur l'escargot porte sur son dos sa maisonnette. D'accord. C'est bien. Encore ce monsieur. Bonjour. Mais tu portes quoi pour te cacher le on ne pas savoir? Ban Twitch incoming. Evelyne. Oh là là, Evelyne, tu hein. J'aime bien les chaussures, apparemment. Ça fait avancer l'histoire si je clique sur Evelyne, je veux fouiller avant. J'aime bien les poupées aussi. Ah non, tu refermes juste. Ah, laisse ouvert, laisse ouvert. Il y a marqué quoi? J'arrive pas à lire. Pourtant, les textures sont de bon ouvrage, hein. Le bateau qui a cassé dans le bayou. Un ours pas flippant. Oula, oula, la texture, oula. Bonjour. Et il manquait. Où qu'il est là? Evelyne. Ma famille, ma famille, ma famille, ma famille. Ouais. Ah, Chucky. Chucky, traumatisme d'enfance. Je ne souhaite ça à personne. Bonjour. Ils l'ont tué! Unnerving, je sais plus ce que ça veut dire. Je peux plus le traduire. C'est pas grave. Concentre-toi. Oui, bien sûr! Adieu, on n'a pas le choix. Ouais. Oh non, ils vont pas faire popper des trucs là. Hein. Des mitochondries, mes couilles là. Ok, ça va. Saloperie. Quelque chose ne va pas chez elle. Oh, ça va, hein. Arrêtez de faire du bruit. Les pénis mitochondriques. Non, ne ferme pas la porte, pourquoi? Arrête, Evelyne. Pourquoi je peux pas tourner la tête? Ne t'approche pas. Mais ce que je veux. Et derrière moi. Et là, c'est normalement, Ethan, c'est le moment où tu sors. Tu te barres en courant, en fait. Et du coup, je suis curieux de savoir ce qui est arrivé, parce qu'il y a une petite ville à côté. La ville n'a pas été touchée par sa saloperie. Elle a dit ne t'approche pas, hein. Je sais pas ce que tu fais, mec. En plus, tu touches à ses jouets et tout. Oh, du lore. Ah non. Chambre. C'est quoi, c'est un cœur barré, ça? Il y a l'ouverture secrète dans ta chambre? Où ça? Où tu parles? Hein? Porte sur son... Derrière le lit. Là. Tu veux que je me mette là? Ah. Ah. Salut Eve. Le mot d'amour d'Evelyne, de quoi? Ne t'approche pas. Ah non, mais c'est pas forcément moi, mais... Ah, putain, elle en a plein. Un bras de série D. D009. Ah, c'était un spécimen, il y en avait plusieurs des comme elle. J'imagine que c'est ça. Ça sent bon?
Hop là, rangé dans la poche. Ah. Attends. Je t'ai juste pris ton bras, hein. Tout va bien se passer. Ouais, ne t'approche pas. C'est un peu tard, hein, pour ça. J'ai juste approché ton corps, ça va, non? La sauvegarde auto. Alors, moment de vérité, est-ce qu'ils craignent le feu? Bon, je crois qu'ils s'en battent un peu les couilles, hein. On va tenter la run. La run no hit. La run no hit. Cassez-vous! On reviendra plus tard, hein, quand j'aurai des balles. Le petit ourson, si c'est verrouillé, je vais m'énerver. Oula, oula. Oula. J'ai tellement chaud, putain, j'en peux plus. Ouf. Trop la chaleur et ce jeu là. Là, il perd de l'aggro très certainement. Donc maintenant que j'ai le bras, trouver les 5 chrétiens. Pour fabriquer le sérum, je vais où? Je retourne. Où? Et là, cette fois, tu veux rien en faire toujours? Bizarre. Il y a des objets comme ça que tu peux prendre et. C'est peut-être pour les gens qu'elle manipule. Elle crée des pays. Pour les gens qu'elle manipule, je sais pas. Zoé, tu tombes bien. Tu l'as trouvé? Ouais. On va vraiment fabriquer un sérum avec ce truc? Ne t'inquiète pas. Une fois qu'on l'aura, on pourra sortir d'ici. Ensemble. Ensemble. Je t'attends dans la caravane. Oh! Ok, tout va bien se passer, hein, bien sûr, sur la route jusqu'à la caravane. Attends, parce que c'est plusieurs samples. Donc t'avais Evelyne, ça c'est un autre sample. Tensu. C'est un groupe bioterroriste japonais cette fois. Ils utilisent des gamins en plus, c'est super. Ça, les bonnes habitudes des bioterroristes dans l'univers de Resident Evil, ça ne change pas. On utilise les gosses. Bref. C'est sur cette bonne ambiance qu'on continue d'avancer. La maman, elle repop pas, bien sûr. Hein. Ni Evelyne, ni rien, quoi que ce soit, laissez-moi partir. C'est par où déjà qu'on sort? Je peux passer par le trou. La meilleure idée. La meilleure idée. Personne ne me grabe. Non, 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 non. Oula. Quoi ce bruit? Il y a des bestioles dans le bayou? Bon, le lance-flamme, elle s'en fout, c'est un problème. Il va vraiment falloir qu'on refasse un stock de munitions. Je peux ouvrir. Les portes corbeaux, il n'y en avait pas plus à ouvrir. J'espère que ça va pas trop faire avancer le jeu, qu'on pourra toujours explorer la map et tout. Mais tu m'as dit que t'étais dans la caravane, que tu m'attendais sur le lit et tout. Où est-ce que t'es maintenant? Hein? Laisse tomber. Il nous faut la tête et tu l'as déjà. Et ça va nous aider, c'est ça? Ah oh, putain, Lucas. J'ai décidé que Zoé avait besoin de faire un break. Elle et Mia. Laisse-les partir! Qu'est-ce que tu leur veux? Non, non, non! C'est des histoires de famille, Ethan. Alors, tu te mêles pas de ça, t'as pigé? Maintenant, si tu veux la tête,
Quelle activité? Oh, sois patient, patient. T'inquiète pas. Elle va pas s'envoler, tu sais. La première chose que je veux que tu fasses, mon pote, c'est jeter un coup d'œil dans le frigo de la caravane. Va te faire foutre! Oh, oh, allez, sois pas si agressif. Tu veux t'amuser un peu, pas vrai? Alors, regarde dans le frigo. Voilà, tout ce qu'il voulait, c'était niquer sa sœur, et puis voilà où... Tête de qui ? Il a commencé à muter. Ah oh, putain, c'est le flic qui a commencé à muter. C'est Marvin Echo Plus. Je crois, hein. Eh ben, c'est bien. C'est dégueulasse. La mutation a foiré que vous l'avez pas laissé se vérifier ou quoi? Il n'y a rien de nouveau à part la Tate. On va sauvegarder. Moi, ce que je veux bien que tu poses, c'est ce qui te reste de machin et de trucs et de visuels. Ces balles de quoi? De fusil, de mes couilles, je sais même toujours pas comment on fait des balles de fusil. Hein. On a qu'un fluide fort, putain. Balle. C'est vrai qu'on a le mag. Attends, le mag, je vais le garder pour le combat final. T'es un fou, toi. Je vais bourrer le dernier boss au mag. Comme ça, il n'y aura aucun bon jeu. Ah merde, d'accord. Merci beaucoup. Ouais, le mag, on va le garder. On va faire comme la run Léon Hardcore. Resident Evil 2, le mag égale boss de fin. Oui, c'est bon, c'est très bien. On va se démerder avec ça. Et reprends la tête de Marvin Echo Plus. C'est pas que ça, juste parce qu'il est noir, hein, mais aussi parce qu'il est flic et qu'il meurt. Ah ouais. Mais comment j'ai pas vu ça? Le flic t'attend dans la salle de dissection, tocard. Mais lui aussi parle mal. Referme-moi ça, c'est immonde. Où est le corps du policier? Il a dit où? J'ai oublié. Salle de dissection. Ah, faut retourner là-bas. Ah, mais non. Non. Ah, il y avait toujours la porte qui était fermée là-bas. Merci, Caliban. Ah oh, putain, faut retourner dans cette salle de mort. Salut, Jacques. T'es là ou... Ça va. Il manque la clé de serpent, hein. Et de serpent, il y aura du gros backtrack aussi à faire. C'est par où déjà qu'on le sent? Salon, la réserve on l'a ouverte, c'est bon. Je ne sais plus. Oui, faut aller à l'étage. Sauvegarde automatique, on aime ça. Pourquoi la sauvegarde maintenant?
Evelyn. Hein? Oui, voilà, là, c'est la porte de serpent, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on n'est jamais allé là? En principal rangement, on n'y est jamais allé. Ok. Oh non, oh non, non, non. Non, 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 non. Je vais faire une Renault Hit. C'est quoi, c'est une clef? Il faut un crochet. Putain, en fait, des crochets, t'en as pas tant que ça. C'est peut-être à toi de choisir quel truc crocheter et quel truc ne pas crocheter. Du coup, le vislard, comme je l'appelle, putain, mais... Un peu, hein. Un peu beaucoup, même. Au moins, Jack, il était direct. Bon, Marguerite était juste dégueulasse. Alors lui... Oh non, ça a popé de partout, putain. Salle de bain... C'est pas au garage qu'on veut aller, qu'est-ce que je fous là, moi? Non, voilà. Comment on y va, déjà? Bah là, j'imagine que c'est la même merde. Ah non, là, ça va. Yo. Il y a du liquide, là. Attends. Dans la chambre de grand-mère, il y a du stuff qui a repopé? Non. Ah, mais on peut plus y accéder. Salle de jeu. Eh hey, mamie, mais il y a du stuff qui repop dans ce jeu. Oh putain, il faut refouiller plusieurs fois. Ou alors je l'ai complètement raté. C'est quoi ça? Ah non, c'est pour fermer. Évidemment. Laisse ouvert. On l'avait déjà lu. Et ça, c'est quoi? C'est le dentier de mamie. Ça, on l'avait déjà lu. Ce connard d'hippie. Ah là là. Louisiane. Non, ici on avait tout, je crois. Bon, comment qu'on y va? Voilà, tu ressors là. Et... Bon, salle de dissection. Je vais pas aller là. J'ai raté quoi? Porte de scorpion ici? C'est la chambre à mamie, on s'en fout. J'ai jamais fouillé cette table. Y'a rien. Donc comment tu vas dans la... Mais ça c'est dehors, c'est pas le... On s'en fout, putain. Je sais plutôt comment on va en bas. Oh là. Qu'est-ce que je fous? Chaussée, par où tu descends? Je sais plus. Alors le cul. J'en ai ras le cul. Ah, je saute là en bas. Qu'est-ce que... Ah non, ne te referme pas. Hein. Ouais, vas-y, une indication. Je prends le backseat. La porte scorpion, mais quoi? Bon. Soit celle-là. Et ça m'étonnerait beaucoup.
On vient d'y aller. Si ça porte Scorpion. Ah merde, mais du coup, vu qu'elles sont déverrouillées, il les affiche plus les portes Scorpion. Le rez-de-chaussée. Hop. Calmez-vous. Fait blah, hein. Fait plus de bruit encore. Ah oui, c'est vrai. Oh, j'en ai déjà tué plein ici, faites pas chier. Ah, la salle de dissection, c'est tellement loin en plus. Voilà, cours pour ta vie, Ethan. C'est loin, hein. Salle d'incinération. L'atelier qui est toujours fermé, putain. Prends les shortcuts en cas dans ta vie. Utilise la map et ton gros cerveau. Gros cerveau. Ah, attendez, ne faites popper personne, hein. La sauvegarde! Allô? Geoffrey? Voilà, mais s'il faut que je tue le flic qui a muté. Mamie! Mais mamie! Mais putain, mais vise-la, démonte-la, cette connasse là. Je me rappelle plus ce qui c'est qui va pas avec elle, mais il y a un truc qui va pas. T'es bien là? Ils ont pas peur les mitochondriaques, je sais pas trop quoi. Comment ils s'appellent d'ailleurs? Je vais voir les fichiers. Ah, mais j'ai les combis aussi dispo. Pas mal ça. Grenade neurotoxique supplément avec du fluide chimique fort. On tient un puissant poison en jetant sur le système nerveux. Pas mal. Ah voilà. Ah non. Putain, tu. Tu peux pas créer de. Cartouche de fusil à pompe, c'est chaud. Les ingrédients du sérum, trouver le corps du policier. Du coup, je voulais faire quoi déjà, moi? Il est écrit D002 sur. Et de l'étiquette, difficile d'imaginer à quoi cela peut servir. Merde, comment? Bon bref, on a raté pas mal de l'or quand même. Hein. Vieille connasse. Bisous à mémé. Malsain ce jeu, il est malsain, j'adore ça. Bon, toujours est-il que... Oui, j'écoute. Voilà, ça descend encore plus. J'ai 15 balles de flingue. C'est tellement à l'infini. Adieu. Au secours. Il vient pas là, lui. Donc là, je suis dans la morgue. Bonjour. T'es un homme, plonge ta main dans la gorge de ce flic. Ah, non.
Son corps doit être en état de rigor mortis. Les articulations sont déjà raides. Une puanteur douceâtre se dégage. Douceâtre. Il est déjà en train de pourrir. Bah vas-y, plonge ta main. Paf, il y avait une bouche dans son cou en fait. On a la clé serpent, c'est génial. Pas une grande chose. Nit. Tu dois gagner ton billet d'entrée, Ethan. Ça marche. Ta voix est insupportable. Oh non! Monsieur le juge! Monsieur le juge! Par où on sort? Au secours. Ah, j'ai paniqué. Bah voilà le shortcut. Mais bon. Let's go! Cours! Ok, on est revenu là. Bien évidemment, il n'y en a pas 40 de plus qui vont popper de partout. Bien sûr que non. Oh putain, un enculé de merde. C'était pas la bonne salle! Ah, j'ai tenté un truc, c'était moche. Hein. Bon, on va crever, hein. J'ai plus de soin en plus. Ah, c'est par là. Comment il court avec le fusil au niveau du menton. Ne me touchez pas. Allez, t'y es presque. On va vraiment la sauvegarder, celle-là, là. Que je n'aurais pas compté toutes les morts. J'esquive tout. Je sais pas si c'est une bonne strat. Hein. Normalement, Resident Evil, t'es pas obligé de tout tuer. Hein. Donc, on va voir. Bien conserver mes balles en fait, parce que pour l'instant, j'avoue que c'est un peu la merde. Mais si tu pouvais également éviter de prendre tous les dégâts du monde, Ethan. Donc évidemment, j'imagine que ça va être la merde. Utilise ton soin. Sauvegarde. Encore une fois. Oh, des cornes de caribou de cerf. Ils ont pas de caribou en Louisiane. Alors jusqu'où tu viens? Par contre tu vas changer d'arme parce que j'ai l'impression que tu galères à ouvrir les portes quand t'as une arme à deux mains. Je crois qu'il dépasse pas la porte en fait. Plus jamais en bas. Mais il y en a quand même qui tournent dans la baraque. Au rez-de-chaussée en tout cas je sais qu'il y en a. Donc réfléchis avec ton cerveau. Utilise le cerveau. Où ils vont me faire chier pour la semaine la sortie. Ça doit être tout ici. Tout ici. Mais au premier. Chambre d'enfant et la chambre principale. Ça va pas du tout être un enfer. Soit. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui. Quand tu m'as pas. Tu ne peux me toucher. Hein? En cas, tu te bouges le cul. Mamie! Mamie! Est-ce qu'ils peuvent venir ici? S'ils peuvent venir ici, on est dans la merde. Hein. Non, rien. Y'a rien dans ton tiroir, mamie. Alors? À quoi ça sert? Oui! La même heure que sur toutes les autres horloges. Oh non.
Oh non. Non? Oh non, il faut que je redescende regarder les horloges. Oh, casse-les. Mamie, tu fais chier, arrête de bouger. Crochet, nice. Et là... Il y a beaucoup de choses, hein? Photo d'un trésor. Oh non, il faut redescendre en bas. Et bien, ce trésor, il va aller se faire en cul. Non. Tout de même. On dirait le schéma d'une arme. Le Railgun Magnum lance-grenade. Tu veux pas le prendre avec toi? Ou c'est peut-être déjà le lance-patate qu'on a, hein? Pas du tout. Vide? Comment ça, vide? Ils l'ont tué! Stylé, l'ange Gabriel. De la beuh. Est-ce que j'ai récupéré la photo d'un trésor? Oh non, non, mais moi je redescends pas en bas, ça va pas à la tête. Péter les plombs. Oh! Comment ça, il manque une cartouche? Ah oui, j'avais tenté un truc. J'avais tenté un truc sur l'autre qui courait en bas, mais... Bon, la même heure que sur les horloges, mais... Mais t'as des tableaux stylés dans ta chambre, toi. Bon, à part les pieds de pendu, là, c'est un peu lugubre, ça, quand même. Oh, le chat! Bien sûr, un meilleur jeu. C'est toi quand t'étais petite avec le chat. Oui, sous le lit. On va pas, mamie, hein. Regarde juste si t'as pas des objets. Non, 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 tout va bien. J'ai tellement pas envie de leur balancer les munitions de pompe à la gueule. Mais tellement pas! On pourrait faire un test de grenade incendiaire par contre. Tout dépend. Non mais ils s'en foutent du feu en plus. Mais ça explose! Bonjour. Il me faut juste. Alors. Il y a une horloge en face. Attends. Ils sont où ces cons? Dix heures trois. 10-3. Vous vous foutez de ma gueule? Je peux faire ça à 10h15? Oh, je m'en bats les couilles, ils ont pas l'air d'être là. Hein. Le bateau. C'est le Bayou. C'est Forrest Gump. Il a pêché à crevette. 10h15. Elle est où, Elena? Elle est où, Elena? Ah oui, non, mais d'accord, il va me faire... Attends, c'était 10h15 ou... Pardon, on va voir. Pardon? Oui, c'est ça. Et toi, tu fermes bien ta gueule. Tu dis à personne que j'étais là. Faut bien se passer. Ah non! Ah non, non, mais Ah. Ah, c'est... Ça a l'air bien. Salut. Oh non. On me dit pas que je vais te forcer de combattre des... Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah, mais c'est... Ah, c'est votre atelier d'art, c'est là que vous... Ah, mon Dieu. C'est là que vous fabriquez les, ces décorations, c'est tellement beau. Ah, c'est tellement typique de la Louisiane. Oh là là, regardez-moi ça, la campagne. Non, je vais pas ramasser la carte. Et bah l'améliorer direct. Ok, je prends. Y a quoi de l'autre côté? Ah oui, la carte. Oh, c'est pittoresque, vraiment, c'est magnifique. Oh, Jean-Charles. Il faut vraiment que nous y retournions l'année prochaine. Oh là là. Comment ça, je peux pas la... Le trésor. Déverrouillé. Oh non! Oh mais non, je veux pas retourner là-dedans, vous avez pété les plombs! Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Oh non, mais non, faut pas redescendre, il est con, lui. Il va où? Mais il retourne à la morgue. Ah, mais j'ai le shortcut là. Non. Oh, je sais plus, remonte. Par où tu passes? Je sais plus. C'est pourtant simple, Mongolo. C'est juste là, regarde. Ce que t'as à faire, c'est pas de chier dessus. Non. Non. Mais il est passé où? Tant mieux. Eh putain, c'était pas la bonne salle! Cassez-vous! Ah oh non, ils vont venir ici, ça va me faire chier. Non, non, non. Je peux réouvrir là-haut? Bien sûr que non. Ah ouais, non, mais il faudrait que je survive au travers. C'est dans quelle salle? Dis-moi juste quelle salle. Attends, déjà retourne là. Comprennent que t'es dans le... Ah bah voilà l'atelier. C'était vraiment l'atelier d'art. Ah, j'ai pas trouvé de sac. À quel moment je me suis planté, putain, je me perds tellement dans le sous-sol. Là où il y avait la photo. Merci, Caliban. Oh là là, oh là là, oh là là. Ne nous précipitons pas. Là, on va où? Mais voilà, c'est par là. Au secours! Oh, l'aide! Connard. J'ai un crochet. Une carte d'extension pour ordinateur reconverti en clé d'accès à l'étiquette rouge.
Pose des trucs, hein. Bon, vu qu'on la joue pas depuis tout à l'heure. Me fait défoncer. Ça, j'ai envie de me dire que j'en ai pas besoin pour l'instant, mais. Eh oui. Pour le crochet, si j'étais toi, je prendrais à l'étage. Taxi de qualité. Merci. Mais du coup, on n'est pas à l'étage là? Non, on est au rez-de-chaussée, bien sûr. Il faut remonter à l'étage. Oh là là. À la boîte qu'il y a sur l'extérieur. Là. Oh là là. Mais tu vas sauvegarder d'abord, Mongolo. Et ensuite, tu avances. Combien de temps qu'on y est? Pas longtemps, j'imagine. 46 minutes déjà? What? C'est beau, un monde qui joue. Ah ouais, les oui, il faut que je me les fasse aussi. Trop de jeux. C'est là-dessus, c'est sur celle-là, oui, que tu sauvegardes. Oui. Là on va où? Salle de surveillance, mes couilles. Ah, le salon. Ils sont passés où eux? Mais ils pop n'importe où, c'est de la RNG dégueulasse. Regarde ça. RNG de merde. Attends, moi je sais où je vais aller donc. Est-ce que les deux viennent du même côté? Est-ce que vous êtes bien nés? Putain oui. Putain, Léon Christ. Là en fait, dans sa tête tout au long du jeu, Ethan, il a des images de Chris et de Léon en train de faire du sport en slip kangourou. Léopard, bien sûr. Avec la musique qui joue derrière. I need a hero. Putain, GG Caliban. Elle est où la deuxième porte? Elle est là. Rien ne va popper, bien sûr. Là, on y est déjà allé. C'est quoi? Ah, c'est la salle de bain chiante. Bonjour. Laissez-moi. Oh non. Non, là, ça doit être la chambre de Lucas, par contre. Elle est trop faite, il était fort. En... Troisième concours des jeunes ingénieurs. Ah, mais c'était une tronche, le gars. Deuxième concours des jeunes ingénieurs, troisième place. Troisième concours des jeunes... Genre, il a raflé les trois premières places, quoi. Mention honorable. Championnat de robotique amateur. Ah, c'est triste, putain. Play for victory. Ah, mais c'est à lui, toutes les statuettes de merde. American football. Mais c'est quelle team? Ah, c'est pour ça qu'il construit des pièges à la con et tout. J'ai des flashbacks vite fait de son... Un ballon. Et il aimait le sport. Rip Lucas. C'est quoi? Des flashbacks de son donjon de merde, là. Ok, mais c'est une batte. C'est une batte. Le 1 avril, maman m'a emmené à l'hôpital de la ville. Ils ont pris une photo de ma tête avec une machine bizarre. Ensuite, maman m'a acheté un puzzle de 259 pièces au magasin de jouets. Le 1 avril, cet imbécile d'Oliver n'arrête pas de me taquiner. De me taquiner. Il dit tout le temps, t'es malade dans ta tête. Le 1 avril, j'ai menti à Oliver. Je lui ai dit de venir pour ma fête d'anniversaire, et puis je l'ai enfermé dans le grenier depuis l'extérieur grâce à ma télécommande. Il n'arrêtait pas de me supplier. Laisse-moi sortir, Lucas. Le 1 avril, j'ai changé la télécommande pour que cette idiote de Zoé ne puisse pas aller dans le grenier. Je l'ai combiné avec l'un de mes trophées d'inventeur. Elle ne le trouvera jamais. Et Oliver, il est resté enfermé dans le grenier ou tu l'as libéré un jour? Oula, d'accord. Merci.
D'accord. Je vois où tu veux en venir. Pardon? Ah non, mais la porte, elle reste ouverte. J'aime pas du tout ça. Encore un piano. Il est cassé. C'est Evelyne qui aime bien jouer du piano. C'est qui joue du piano ici d'ailleurs? Non. Ah oh putain, il va y avoir le corps d'Oliver à l'étage, ça va être... On va pas comprendre. Le Avril Oliver a arrêté de crier, mais parfois je l'entends frapper là-haut. Ah ouais. Mais ça pue, comme pas permis. Et il y a un drôle de jus qui coule du plafond. À part ça, comme j'ai eu le temps, j'ai encore changé le trophée de la déco. Maintenant, il y aura de la lumière, même la nuit. Ah mais c'était un connard même avant de se transformer. Mais quel immonde fils de pute! Mais quel immonde fils de consanguin! C'est où ça s'est fermé? Ah. Oliver! Oh là là, la beuh géante! Oh, une hache. Fausse hache. Ce n'est pas qu'un jouet pour enfants, impossible de s'en servir comme arme. Il joue du piano debout. Nana. Oh là là, non, non, mais j'ai pas la place. Cassez-vous. Contrat de rénovation, client Jacques Baker. Contractant Trevor et Chamberlain Construction. Alors, c'est quoi le délire avec Trevor et Chamberlain Construction déjà? Ça sort de quel Resident Evil? Qui apparemment, du coup, ce serait lié à Resident Evil, un des premiers, je crois. Bref. Période du chantier, apparemment ce sera un easter egg, je sais plus duquel. Période du chantier 10 novembre 92, 30 no... Ah oui, je crois à la construction de, du manoir Harkley, non? Je sais plus. Période du chantier 10 novembre 92, 30 novembre 92. Détail, installation d'une porte activable par des ombres dans le hall principal. Joli easter egg. Alors c'est très bien. Oh putain, il prend deux places, l'enculé. J'aurais dû poser la carte rouge, je suis trop con, moi. Ne répondez pas. On peut redescendre? On peut backtrack. Attends. Attends. Ah, il est juste là, ok. Il va falloir que je gaspille une balle pour cet enculé. On va faire ça, hein. On peut backtracker. C'est où que j'ai une save room? En bas, oui. Salut. Et là, ils vont popper où? On s'en fout. Trace. Arrêtez! Arrêtez! Oh, il y en a dehors, merde! Ça craint. La clé de serpent, j'en ai plus besoin, non? Bon, on va essayer. Une petite pause en attendant la suite. Je vais pas tarder, hein. Juste essayer de faire un beau geste avant. Non. Ah bah, il a même pas popé l'autre. Dégage! Non, tu cours beaucoup trop lentement. Eh, la sauvegarde, elle aurait été bienvenue par contre, hein. Oh merde, il est là, lui. Oh merde.
Ça s'est bien passé. On va arrêter là, des bisous YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Pouce bleu comme d'habitude. Putain, on peut pas, on est obligé de gaspiller une balle pour sa gueule. Oh, ça fait mal au cœur. Des bisous, lien toujours dans la description, la cloche, tout ça. Comme d'habitude, et achetez le jeu parce qu'il est cool. Bisous.